Nous salut tout le monde, je dis, hein, nous voulons vous donner un update que USCIS a fait sur CTOA et de façon et pour le capable faire les plus faciles et qui a un rapport avec les gens qui sont capables de checker les statuts. Si vous regardez là, ça c'est la première façon que vous avez créé. Ok, donc on y a là, il est difficile, bon, de faire les plus faciles, les moins difficiles pour vous capable vérifier les questions. Et avant, vous pouvez mettre un peu le numéro et ça lui maintenant papa ou quintier ou là-bas erreur. Mais façon ça aller maintenant yo fait li yo mettez un exemple par ba ou yo mettez i yo mettez e aussi avec ce qui ça c'est un exemple qui gens qui soit dit à supposé commencer et puis ça l'aime à vin bleu le qui vous mettez un case number qui correct. OK, donc c'est ça que même vinn pote pour montrer nous aujourd'hui dans la vidéo qui gens qui USCIS même au échanger système au capable checker qui statut online. OK, on nous suit, merci. Et nous pour tes dernier update USCIS pour dans USCIS ça le fait, you update qui gens qui pour capable vérifier statut ou bien de statut document par là sur website yo. Et dans vidéo ça on va montrer qui gens et gars dans monde qui est en écrit nous qui est en envoyer message ba nous dire ça qui a pas checké, yo gain petit problème, yo ouais que yo pas capable vérifier en question online sur site USCIS là, donc yo wèk yon paquet numéro qui monte, j'en ai regardé à la vraiment gen numéro qui monte et qui empêche moun yo et tape numéro paywa ou bien tout moun yo wèk yon semble un problème pour yo si yo tape numéro paywa. Par exemple, moun gen yon numéro qui moun pa tape moun pa montre nous mes amis, ça yo fè là c'est une façon pour USCIS même montrer nous son exemple de bao, mais c'est pas vraiment yon numéro ça efface aussi tout que même on est tapé sur le bateau commencer par là. Par exemple, moi gagne et numéro ça et que moi pour taper là que même montrer non et pas oublier mes amis qui en pile monde qui fait erreur ça là même va vérifier compte yo yo seulement mettre et numéro yo pas mettre IOEA et il y a monde qui compte ça refaire lui et j'en montre nous mais numéro apparaît, il y a mon qui veut checker question, il y a seulement mettre tout la chiffre va mettre lettre, donc qu'on y a là USCIS même n'a pas quitté ou vérifier sans que même ou pas mettre lettre devant chiffre. OK, c'est important mes amis, c'est vraiment important pour même le que aller sur site là ou seulement mettre IOE avant de mettre chiffre derrière et c'est très facile. Donc j'en ouais là mes amis, c'est pas un problème lié. Et ça quand même fait vidéo ça passe bien monde qui est en relais qui est écrit me dit bon ça que yo gont difficulté yo chiffre yo bien lettre paraît est-ce que ça un problème yo pas capable vérifier question nous même les que nous problème ça paraît nous vraiment et content pour nous aider nous donc ça mes amis effacer aussi tout yo même ou commencer taper les gens on va regarder là ou mettre i o e a et puis yo effacer après ça ou mettre tout les chiffres. OK, c'est important, je souhaite que nous-mêmes et nous comprenons ta mes amis parce qu'on qu'est-ce que moins mes exemple hein? Et j'en ai là bien monde qui t'est entré donc et ça c'est un qu'est-ce que immigration t'a approuvé pour nous les qui t'envoie et pas de voyage moi même qui t'en ici là avec nous. Donc j'en ai regardé là mes amis, c'est vraiment facile pour taper tout numéro 1 et quand ça USCIS apparaît et si par exemple tu as mis plus numéro USCIS pas qui te mette plus numéro moins numéro et bien moins qui vont mettre un pile numéro en plus ou bien de se mettre moins numéro ou après que USCIS pas qui te fait ça. Donc c'est une façon de régulariser mes amis qui j'ai qui système fonctionne fait système là plus strict et quand ça yo même ou pas prendre petit trop de temps si par exemple seulement bas au numéro sans que vous pas gagne lettre li pa pa ou façon pour capable vérifier là. OK, c'est important que les vidéo ça t'aide nous t'y fait nous comprendre qui j'ai pas yo et qui j'ai migration va fonctionner pour nous à travail pour nous pour faire la plus facile et monsieur qui nous même nous trouver vidéo ça été utile nous et partager avec l'autre monde qui besoin vérifier question et en même temps tout USCIS même là les gagne et pas oublier te bailler plusieurs façons que nous capable vérifier et qui statut nous online avec USCIS. OK, donc il y a un peu de monde qui a un problème, yo pas connaît qui gens pour capable vérifier statut sur internet là ou bien tout gain application qui nous même nous te bail. Par exemple, nous gain question à KSLM qui number 1, nous gain question de online et nous gain l'offre fouillage en regarder qui m'a montré nous li et c'est toute façon ça au capable utiliser. OK,
Pas de problème, merci un peu. Mais qui j'aime pour abonner avec Chanel Haïtien tout côté. Ou aller dans YouTube, vous tapez Haïtien tout côté. Ou seulement cliquer sur subscribe ou bien abonner. Après ça, ou cliquez sur tout qui veut dire cette cloche là, qu'à faire qu'on ait nos live avec nos posts nouveaux vidéos avec page Facebook Haïtien tout côté. Donc, et nous faisons lancer page là, nous avons plein d'informations qui nous guettent à mettre sur lui. Pour les gens qui nous regardent là, allez dans Facebook, tapez Haïtien tout côté et puis à suivre nous. Pour là que nous postions une vidéo ou bien tout n'importe information et à propos de l'immigration pour nous capables de nous. Merci et puis à partager toute vidéo nous sur YouTube. Nous avons plus de vidéos qui nous guettent là déjà, toute vidéo qui nous aimons et à partager, à regarder, c'est vraiment important. Merci avec tout le monde qui a fait le travail avancé. Merci parce que nous like, nous abonner et nous partager le message là. Merci avec tout le monde.